L'apparence est un objet fascinant s'il est utilisé avec élégance au cœur d'une œuvre de cinéma, car il permet de donner un sens à un propos se cachant aux yeux du spectateur. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui cherche à jouer avec la posture de ses personnages pour emmener ses récits vers des réflexions humanistes. Romé Colette Serra est un réalisateur d'origine espagnole qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 11 ans. Il s'est à la base imposé comme un graphiste au regard unique sur le cinéma d'horreur et d'épouvante, cherchant à jouer avec l'esthétisme et l'impact d'une image, afin de duper le spectateur et de le pousser à se méfier de chaque instant cinématographique au cœur de ses longs métrages, poussant le vice dans ses retranchements les plus glauques et malsains. Colette Serra ne cherche pas uniquement qu'à donner une esthétique puissante à ses films donc, mais cherche également à jouer autour de la forme que ceux-ci peuvent prendre. En abordant le cinéma de genre dans ses formes les plus variées, il cherche à jouer autour de l'idée même de crainte. C'est avec cela qu'il a guidé son art et qu'il cherche encore aujourd'hui à aborder l'être humain comme un être imparfait, cherchant à refléter une image de perfection afin de duper son prochain et de jouer avec son envie de lui ressembler. C'est ainsi qu'en essayant de se diversifier, en amenant son cinéma dans le genre de l'action ou du frisson, il cherche avant tout à emmener ses personnages dans le monde de l'apparence afin de faire réfléchir le spectateur sur l'impact que celle-ci peut avoir au quotidien sur l'être humain, amenant certains de ses personnages vers un point de non-retour. Ainsi, son œuvre est un jeu entre la forme et le fond, poussant le plus loin possible l'idée même de divertissement en prenant, au mot près, l'intention même de celui-ci. En poussant le spectateur à se méfier à chaque instant de l'intention de ses films, Colette Serra conçoit un de ses longs métrages comme un crescendo émotionnel et pervers par son immersion. Le graphisme de ses films a ainsi un impact fort sur la dimension de ses longs métrages, comme un développement propre de l'idée de manipulation dramatique et émotionnelle, un vecteur de sens profond quand on sait qu'il se passionne pour le mouvement de la caméra comme créateur de profondeur affective envers ses personnages. Colette Serra adore pousser le mouvement de sa caméra dans ses retranchements afin d'amener le spectateur à laisser celle-ci l'embarquer dans une périmétrie émotionnelle qui aille beaucoup plus loin que simplement démontrer la puissance de l'image. C'est en cela qu'il cherche à pousser le graphisme, parfois même un peu trop dans ses films, et c'est là que son cinéma atteint ses limites. À vouloir trop jouer avec le spectateur, celui-ci impose une forme de juxtaposition de sens à sa mise en scène, imposant à chaque fois au spectateur de réfléchir sur l'impact de l'image par un trop-plein d'informations graphiques. C'est là que le cinéma de Colette Serra touche sa limite expressive, car en voulant absolument donner du sens à chaque image de son film et dans la foulée duper le spectateur, il développe soit trop de direction d'interprétation pour celui-ci, soit oublie littéralement de se poser pour donner un sens clair à sa mise en scène. On se retrouve parfois devant des œuvres qui veulent tellement imprimer quelque chose de fort en peu de temps que le metteur en scène espagnol en oublie simplement de faire du cinéma et cherche dans l'absolu à iconiser son image cinématographique comme une nécessité d'interprétation humaniste, bloquant ainsi l'interprétation de son cinéma. Plonger dans la filmographie de Romé Colette Serra, c'est chercher à se laisser entraîner dans un jeu de manipulation par un metteur en scène qui cherche à maîtriser chacune de ses images. Malheureusement, cela entraîne Colette Serra à vouloir trop en faire, même si, au final, on retient tout de même que ses films sont bruts et souvent clairs dans leurs propos.